C'est ce gars, la seule entreprise qui m'a accepté. J'ai trouvé que c'était finalement très intéressant et j'ai décidé de travailler pour eux. La borne d'arcade de Hang-On était énorme. C'était une moto avec des détecteurs qui transmettaient les informations à l'ordinateur lorsque le joueur se penchait à droite ou à gauche pour tourner dans les virages. Fort de son succès, Suzuki réalise ensuite Space Harrier, un shooting game très prenant qui rencontre un succès immédiat. Ensuite viendra OutRun, un de ses jeux les plus célèbres. Suzuki parvient à rendre une impression de 3D stupéfiante en utilisant uniquement des éléments 2D. Ce n'est vraiment pas compliqué comme concept. C'est presque trop simple. La 3D, c'est quoi ? C'est qu'un objet au loin apparaît plus petit et inversement, il apparaît plus grand lorsqu'il est devant nos yeux. En partant de cette idée simple, il lui a suffi de jouer avec le zoom des sprites pour obtenir ce rendu. Mais en 92, un pas décisif est franchi avec Virtua Racing. Si ce n'est pas réellement le premier jeu de course en 3D, c'est en tout cas le premier qui donne une impression de réalisme si convaincant. Même si le jeu est très typé arcade, on parle pour la première fois de vrais simulateurs de course. Si j'avais vraiment pu faire ce jeu comme je le voulais, j'aurais certainement fait un jeu de rallye, un peu comme le Paris-Dakar. Mais bon, il fut décidé que ce serait un jeu de Formule 1. Mais comme c'était notre première borne en 3D, elle était incapable d'afficher beaucoup de polygones. Par exemple, pour faire les pneus, on avait si peu de polygones qu'on ne pouvait pas les rendre ronds. Ils étaient comme ça. On a dû trouver de nombreuses astuces pour que ça ne se voit pas trop. Virtua Racing proposait 4 angles de caméra différents. Cette option fut bien sûr reprise depuis par tous les jeux de course, mais à l'époque c'était très impressionnant. Il n'y a rien de tellement extraordinaire à ça. En 3D, les angles de caméra possibles sont infinis. Pour quelqu'un qui travaille dans la 3D, c'est quelque chose d'évident. Mais quand des gens extérieurs à l'équipe sont venus nous voir pendant le développement, ils trouvaient ça vraiment incroyable qu'on puisse changer l'angle de caméra. On s'est dit, si pour quelqu'un de l'extérieur ça a l'air si extraordinaire, autant mettre carrément 4 angles de vue, vu que c'est si simple à faire. C'est drôle parfois de voir le décalage entre nous et les gens qui ne sont pas du métier. Tenez, par exemple là, je vais prendre une tasse dans ma main. Imaginons qu'elle soit en 3D. Ensuite, si on veut qu'une main en 3D prenne la tasse et la soulève, de manière réaliste, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Il faut calculer très précisément les zones de contact et que la main épouse parfaitement la forme de la tasse. Si on s'y prend mal, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, par exemple, il arrive que les doigts traversent la tasse. Ça, c'est le cauchemar des développeurs. Quand on voit un bug comme ça, on est carrément mort de honte. Mais quand quelqu'un qui n'y connaît rien voit ça... Mais c'est incroyable! Il y a des doigts qui traversent la tasse! Je n'ai jamais vu ça dans toute ma vie! Mais comment est-ce que vous avez fait? Alors que pour moi, c'est vraiment la honte. Une voiture est formée d'un seul bloc, si on excepte les roues bien sûr. Le reste est un simple objet formé d'une seule pièce. Mais les humains ont des articulations partout, ici, ici, là. J'ai profité de ce jeu de voiture pour faire des expériences sur la représentation du corps humain en 3D. Par exemple, quand la voiture s'arrête au stand, on peut voir des techniciens venir changer les roues de la voiture. Eh bien, ces personnages ont été une sorte de test qui a abouti à Virtua Fighter. Le plus gros succès de Yu Suzuki est sans contexte Virtua Fighter. Dans une époque où les jeux 3D ne sont qu'à leur balbutiement, il est le premier à présenter des personnages au mouvement aussi complexe et réaliste. Sur notre premier système de borne d'arcade 3D, il nous était impossible de mettre des textures. Les textures, c'est quand on prend les données d'une photo, par exemple, et qu'on les plaque sur un objet 3D. Ça, on ne pouvait pas le faire. On ne pouvait afficher qu'une couleur par face. Yu Suzuki réalise ensuite les 2 épisodes suivants, puis quitte le studio AM2. Il n'est plus en charge de la série qui continue encore aujourd'hui. Depuis, sont sortis beaucoup de jeux de combat 3D, dont certains sont très bons. Mais si Virtua Fighter n'avait pas existé, on n'aurait peut-être jamais eu tous ces jeux de combat en 3 dimensions. Avoir été les premiers à le faire, ça reste notre fierté.
Quand un jeu marche autant, il a une influence sur tout le milieu du jeu vidéo. Bon, j'exagère un peu, mais à ce moment-là, tous les éditeurs se sont dit, quel que soit le genre, si je reprends un vieux jeu 2D et que j'en fais un jeu 3D, je suis sûr que ça sera à nouveau un succès. C'est ce que tout le monde se disait quand ils ont vu Virtua Fighter. Je pense que c'est un jeu qui a eu une influence énorme à ce niveau. Nous sommes en 98. Alors que la Dreamcast ne se vend pas aussi bien que Sega l'avait prévu, Yu Suzuki commence à présenter dans les salons son futur jeu, Shenmue. Il compte créer un jeu d'aventure révolutionnaire où le joueur serait libre de faire ce que bon lui semble. Sega lui fait entièrement confiance et engloutit des sommes énormes dans un développement qui n'en finit plus de prendre du retard. Shenmue devient le jeu le plus attendu du moment. Oui, il fut question à un moment de faire un RPG tiré de l'univers de Virtua Fighter. Comme le nom était déjà connu dans le monde entier, on jouait la sécurité en se servant de sa popularité. On commençait à travailler dans cette direction. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, le jeu trouvait sa propre originalité. Et finalement, on s'est rendu compte que le jeu se suffisait amplement à lui-même. On a donc décidé d'en faire un titre à part. C'est sur Sega Saturn que Shenmue était prévu au départ, mais le développement a été si long que la Dreamcast est arrivée avant qu'il ne soit prêt. Suzuki et son équipe ont donc tout repris à zéro pour le porter sur la nouvelle machine de Sega. Une première démo est distribuée, ça s'appelle What's Shenmue, et les joueurs stupéfaits découvrent que les scènes d'action se résument à appuyer sur une séquence de boutons. Ce système, nommé Quick Time Event, s'est finalement révélé plus efficace qu'il n'y paraît. Il y a très longtemps, quand j'étais au collège, il y avait un jouet électronique qui faisait fureur. Il était rond de cette taille-là, et il y avait quatre boutons lumineux qui s'allumaient en faisant bip. C'était le Simon. Pour un enfant de l'époque, ça faisait très jouet futuriste, et j'ai gardé ça dans un coin de ma mémoire. Dans un RPG, on ne peut pas demander aux joueurs d'effectuer des actions trop compliquées à la manette. Un jeu trop difficile à jouer aurait fait fuir tous les joueurs de RPG. Je voulais donc avoir des scènes d'action dynamiques, comme Virtua Fighter, mais avec une interface simple. Et l'idée des Quick Time Event est donc née de ce compromis que je devais faire pour trouver un moyen simple et amusant de gérer les scènes d'action. Et bien sûr, des souvenirs de l'amusement que me procurait le Simon. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu cette idée. Shenmue n'est pas un jeu exempt de défauts, mais il propose une expérience encore jamais vécue en jeu vidéo. La beauté et la poésie de la mise en scène, la liberté totale de mouvement et l'interaction avec les autres personnages en font un jeu immédiatement culte. Shenmue est en fait une somme de tous les challenges qu'on s'est imposés. Dans la conception de jeux vidéo, il y a de nombreux tabous que personne ne transgresse. Mais s'il y a des tabous, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Si on peut en éliminer certaines, on pourra peut-être franchir un tabou. Si on ne fait pas ce travail, le jeu vidéo ne progressera jamais. Par exemple, dans un RPG, on dit aux joueurs ce qu'ils doivent faire au fur et à mesure pour qu'ils suivent le fil d'une histoire écrite à l'avance. On lui impose son but et on lui fixe ses motivations. On le guide de manière très serrée sur le fil du scénario. La grande différence de Shenmue, c'est d'avoir donné une vraie liberté au joueur. Il peut tout à fait mettre de côté le scénario pour faire autre chose. Il peut passer tout son temps dans la salle d'arcade ou aller jouer aux machines à sous tant qu'il en a envie. Déjà, rien qu'avec ça, on me disait que mon jeu ne se vendrait jamais. Mais on est allé encore plus loin. Normalement, ça ne se fait pas de mettre le joueur dans un environnement aussi vaste. Alors qu'au contraire, Shenmue, et surtout Shenmue 2, plonge le joueur dans un univers incroyablement vaste et vivant. On ne se sent pourtant jamais perdu, car il est possible de demander son chemin à tout moment en discutant avec tous les personnages. Et finalement, après Shenmue, on a vu arriver pas mal de jeux qui reprenaient certaines de nos idées. Shenmue
Le réalisateur d'un jeu doit avoir une vision forte et claire de ce qu'il veut. Et pendant le développement, il doit s'efforcer de ne pas sortir de son chemin en écoutant les avis des autres. Il y a sûrement beaucoup de choses qu'il vaudrait mieux faire d'une autre manière que celle qu'a choisi le réalisateur. Mais si on écoute tout le monde et qu'on corrige tout, on se retrouve avec un jeu qui ressemble à tous les autres. C'est beau une rose, mais si les épines ne plaisent pas et qu'on décide de les enlever, ça ne sera plus qu'un œillet. Quelqu'un qui...